Hey messieurs, j'espère que vous allez bien. Oh là là, ça fait 3 semaines, j'ai pas dit ça, ça fait très bizarre. On se retrouve pour la suite d'Idols. Waouh, c'est très... C'est génial comme début de vidéo, vraiment. Sur Instagram, les développeurs ont dit que le chapitre 24 sortait bientôt. Mais comme je vous ai dit, on finit la partie Ginny et après on fera comme... Fly, Agnel, Ginny, mais je vous l'ai déjà dit. Et que ça risquait de sortir plus régulièrement. Donc, peut-être que si le chapitre 24 sort pendant que je n'ai pas fini la partie de Ginny, et ce qui est fortement possible, je pense. Ça se dit? Ouais. Et ben, ça se trouve, on aura déjà le chapitre 25 aussi. Et que Fly devait aussi sortir bientôt. Du coup, on est content, n'est-ce pas? Du coup, on commence le chapitre 3. Ça fait très bizarre de dire ça, parce que je suis habituée à être dans les grands chapitres maintenant de Idols, mais on a recommencé, quoi. C'est pour notre petite Ginny. Oups. Colin ne tarde pas à revenir dans le salon en tenant un jeune homme aux cheveux rouges par la main. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas lu et j'arrive à lire normal. Dès le début. Normal. Je me souviens un temps du concept de la skinship, ce qui m'évite de m'étonner. Aou. Ma première impulsion occidentale aurait été, sinon, été de me demander si Colin et Imchan entretenaient une relation cachée. Bon, du coup, je vous remets quand même. Parce que moi, j'ai déjà tout. Hein. Enfin, j'ai déjà tout. Non, pas tout, mais... la plupart des choses... Le gros scoop, la bombe pour les médias et les netizens. Et toutes les shippeuses du Ko-chan auraient pleuré des larmes de joie. Mais c'est vrai qu'en Corée, les animes proches du même genre se tiennent par la main, s'enlacent. C'est normal. C'est tout à fait normal, fréquent et sans sous-entendu. Ils le font aussi dans les vidéos et à leurs concerts. Et en plus, je me rappelle d'un cours à la fac que l'homosexualité n'est pas encore bien acceptée en Corée. Cette phrase m'avait pas manqué. Loin de ses considérations culturelles, ma cousine s'empresse de faire connaissance avec le nouveau venu. Après tout, c'est le meilleur ami de son frère. Imchan. Il nous fait un petit signe de la main. Bonjour. Toujours aussi timide. Imchan paraît plus réservé encore en vrai qu'à l'écran. Il écarte une mèche de son front et plus s'approche de... et nous sourit un peu timidement. Ouais, je sais pas parler. Tranquille. Oh, vous avez fait bon voyage, je lis trop vite. Face à lui, je me sens moins intimidée que face à Agnel ou Colin. Il a l'air extrêmement gentil. Je savais déjà qui il était des émissions télévisées que j'ai pu visionner. Mais surtout, il n'a pas l'air d'une star. Il a l'air encore moins à son aise que moi. J'essaie de répondre à sa question avant que ma cousine ne s'en charge. Franchement, oui. Je sais plus ce que j'ai dit non plus. Et j'avais oublié mon prénom aussi. Je dis, madame, c'est qui parle là? Parce que j'ai vu que le Chan et j'avais oublié que... Ouais, j'ai vraiment pas de mémoire. Et même la nourriture à bord n'était pas mauvaise. Et puis comme on a décollé en soirée à Paris, on a dormi une portion du trajet. Mais évidemment, on avait hâte d'arriver. Pas vrai, Claire? Mais je n'aime pas rester assise à la même place pendant des heures comme ça. Encore une heure de plus et je crois que j'aurais pété un câble. Dire que je pensais que tu avais surtout envie de revoir ta famille. Colin qui s'était à nouveau éclipsé est revenu dans le salon avec des verres et une bouteille. Claire lui tire la langue. Aussi accessoirement. Au lieu de répondre, Colin dépose les verres sur la table basse. Imchan l'aide en extrayant la bouteille du creux de son bras. Il la place à son tour sur la table. Je vais aller chercher le reste, car j'imagine que tu vas pas boire ça. Claire regarde la bouteille, puis Colin et fronce ses sourcils. En effet, j'imagine que tu vas pas boire ça. Colin se redresse avec un sourire tendu. J'avais prévu d'autres choix pour tout le monde, mais vois-tu, je n'ai hélas que deux bras. Dis-moi plutôt ce que tu veux... j'avais oublié. Ce que tu veux boire, toi, et Mina-chan. Il est vraiment intelligente sur ce coup-là. La même chose que toi pour moi, tiens. Avant de répondre, je scrute l'étiquette de la bouteille avec un brin de curiosité. Ça ressemble à du soda, tout ce qu'il y a de plus inoffensif a priori. Pourquoi Colin ne pourrait-il pas boire ça?
Tintintin. Miachan. La voix de mon cousin interrogatif me rappelle à l'ordre. Ah oui, bah, je vais mettre ça. Soda ira très bien. Cole et Michan repartent en direction de la cuisine semi-ouverte sur le salon. Je crois que la dernière fois, j'avais pris de l'eau. Annie, qui s'était éclipsée sans prévenir après nous avoir présenté la dizaine de cactus sur le balcon, réapparaît tout à coup. J'ai l'impression qu'il va falloir s'habituer à le voir aller et revenir voir jouer les courants d'air. Waouh, je ne sais pas parler, c'est horrible. Je retire ce que j'ai dit au début. En chantonnant, il s'installe en tailleur sur le fauteuil devant nous. Je reconnais la mélodie d'une chanson du premier album de Starstar. Chaque fois que je pose les yeux sur lui, je dois me refaire à l'idée que je suis bien en train de lui parler pour de vrai. Il a l'air vraiment de venir d'un autre monde, d'un monde de perfection et d'éther. Ses traits sont d'une douceur inouïe, tout à fait lisse, sans moindre accroc. Quand il apparaît sur scène, je sais que pas mal de fans se mettent à pleurer d'émotion. Il nous interroge pourtant comme si nous étions plus intéressantes que lui. J'aurais plein de questions à poser de mon côté, mais j'essaie de garder la tête froide et me retenir. Et vous habitez où exactement? Vous êtes plutôt près d'ici? Claire se charge de donner des précisions. Oh, je sais toujours pas le dire, arrêtez. À Waiyang, tout près d'ici, oui. Entre la proximité de l'université et celle de mon frère, j'ai choisi mon frère. C'est cool, rien de tel que la fratrie. Il a un petit frère et une petite sœur, si je m'abuse. Merci Internet. J'adore ma sœur. Mon frère aussi, mais surtout ma sœur. Ma famille habite à Sokcho, près de la frontière nord-coréenne. Alors, je ne vois pas souvent Taï. Mon téléphone presque tous les jours et elle m'envoie aussi des messages entre-temps. J'adore me tenir au courant de ce qui se passe dans sa vie d'ado et surtout les potins de son école. Je suis un peu loin pour veiller sur elle de près, mais je fais ce que je peux pour être un grand frère à distance. Le sourire ne quitte jamais le visage de Aniel. L'imagine des tristes est presque contre nature. Tu as des frères et sœurs, Mina-chan? Un frère qui a un an de plus que moi, qui est resté en France. À la fin, je me demandais, ils avaient combien d'années d'écart? Et la réponse était juste devant mes yeux. J'avais juste pas de mémoire, quoi, comme d'hab. Ah, génial, un grand frère qui peut te protéger, c'est cool. Voici, il reste des boissons. Injan et Colin déposent les bouteilles de verre supplémentaires sur la table basse devant nous. Colin s'assied à côté de Claire, tandis que Injan reste debout. Mina-chan, c'est bien ça, je peux te servir à boire? C'est bien ça pour le nom et merci beaucoup. J'envoie un sourire reconnaissant à Injan. Il m'en offre un léger en retour. Tu parles vraiment très très bien coréen. Je te remercie. Oups, bah je sais pas c'est quoi du coup. Ah forcément, c'est Injan. J'aurais dû m'en douter. Tiens, j'ai pas Jia. À voir si je vais le débloquer. Je me souviens plus de ce qu'il faut faire, mais je pense que je verrai au moment venu. Pour être honnête, je n'ai pas énormément de mérite car je fais des études de coréen à Paris. Je suis en quatrième année à l'université. C'est quand même un bel accomplissement d'avoir atteint ce niveau. Mijan me sourit à nouveau, toujours avec un peu de réserve, puis se concentre ensuite sur son service. Il me tend le verre rempli à deux mains. J'accepte de la même manière, tentant de me rappeler les règles de respect coréenne. Nous sommes ici entre jeunes, mais tous sont a priori un peu plus âgés que moi. Je veux pas commettre d'impair. Oh. Je sais que le respect dû à l'âge est quelque chose de très important ici. Je me souviens des infos lues à son sujet que Im-chan, par exemple, a un an de plus que moi, donc. À notre venue en Corée, à Mina-chan et à moi, et à nos retrouvailles avec Colin, et à notre rencontre avec les autres. Toujours intrigué par l'échange de tout à l'heure entre Im-chan, Claire et Colin, je vérifie ce que prend mon cousin. Ça a l'air d'être une infusion de thé froide. Je suis pas plus avancée. Colin porte son verre à ses lèvres, remarquant que je l'observe, me fait une grimace. Je baisse les yeux. Je me sens un peu gênée d'avoir été prise en flagrant délit de curiosité. J'essaie de me retenir pour dire à l'avenir. Après tout, il fait ce qu'il veut.
Je ne voudrais pas passer pour une fuineuse ou quelqu'un sans respect de la vie privée. Ils doivent en avoir leur content avec toutes les fans acharnées. Moi, même si j'adore ce qu'ils font, je suis d'abord de sa famille. Je dois donc essayer de le considérer comme ça en premier lieu. Même sans le voir, je sens que Colin me sourit avant de boire une nouvelle gorgée d'infusion. Au fait, ça vous dirait de venir en VIP au concert qu'on fait dans 3 mois? Dans 3 mois. J'en ai marre. Dans 3 jours. Ma sœur sera là aussi, justement, avec une amie et ma mère. Elles font voyage depuis Sokcho exprès pour venir admirer le nouveau show. Votre manager sera d'accord? Oh, sûrement, il est plutôt cool. Je lui enverrai un message tout à l'heure pour lui demander si ça vous tente. Claire a les sourcils en sirotant son thé. On risque pas de se faire étriper par les assassins si on a des passes spéciaux? Je vois Colin hésiter et jeter un regard à Imchan. Normalement, non, parce qu'au pire, on expliquera que vous êtes de ma famille. Quand la famille de Daniel est présente, ça ne crée pas de problème. Ah oui, c'est vrai, ce moment, elle était gênée. Mais ça sert à 16 ans, non? C'est peut-être pas pareil. Pas pareil. Oh. J'ai réalisé trop tard ce que je viens de dire. J'ai eu cette information sur un site coréen consacré au groupe. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi en voyant que je connais des détails sur eux qui m'ont pas donné eux-mêmes? Ah là là! On reste confiante, toujours. Je veux surtout pas qu'ils aient l'impression qu'ils doivent se méfier de moi s'ils me font entrer dans leur quotidien. Heureusement, aucun ne paraît surpris. Même pas Agnès qui ne semble pas tilté qui ne nous a pas informé de l'âge de sa sœur. Nchan et Colin pensent sans doute qu'il l'a fait pendant qu'il se trouvait dans la cuisine. Ouf, ça va passer. Bah, on verra bien. Il hausse également les épaules sous sa tunique étoilée. Nos fans sont très sympas pour la plupart de toute façon. Elles nous encouragent de toute leur force à chaque instant. Ça fait toujours chaud au cœur. Ouvrez comme l'ambiance est bonne au concert. Hâte de voir ça. Ouf, j'ai eu peur du bruit de la porte. À ce moment, la porte d'entrée de l'appartement claque. Un petit aboiement se fait également entendre en provenance du vestibule. Tout de suite, Chimchan repose son verre de soda sur la table, se lève et quitte la pièce en courant. Colin soupire en ramenant son propre élève à ses lèvres. Minchan a peur des chiens. Une minute plus tard, un shih tzu blanc et gris à poils courts, mais avec un... C'est quoi le mais point, mais... avec un palmier sur le crâne, trottine dans le salon. Il jappe et Annette tape sur le coussin de son fauteuil des deux mains pour l'encourager à y sauter. Je me tourne vers l'entrée de la pièce, à nouveau très intimidée. J'ai dégoûté péniblement. Et même l'impression d'avoir du mal à respirer l'espace de quelques secondes. Car qui dit shih tzu, il dit... Hello, Juna. Bonne séance. Tu parles, j'ai perdu mon combat d'une façon stupide et ça m'énerve. Jia, le main vocaliste de Star Star, fait son apparition auprès de nous. Ses mèches sombres déstructurées tombent d'un côté de son visage anguleux. Il porte le don des oreilles de plus... Il porte le long des oreilles plus d'étoiles d'or que je ne pensais des photos et des vidéos. Le tracé noir de la petite ours ressort sur la peau pâle de son cou, au-dessus du col de son t-shirt. Le chanteur dépose sur le sol un mini ventilateur avec des oreilles d'ours. Alors je sais plus ce que j'ai dit, mais je crois que c'est là. Je vais mettre ça. Il est trop mignon. Ouais, du coup c'est l'illustration avec lui. Ok, ben je me souvenais plus du coup. Je me souvenais plus. Je sens que je vais dévaliser les boutiques de mignonnerie quand on fera notre première séance de shopping avec Claire. Jia se laisse ensuite tomber sur un fauteuil et nous jette un regard perçant. Je me sens presque clouée au dossier du canapé. Son charisme et son regard sont écrasants. La sœur et la cousine de Colin, donc, si j'ai bien suivi. Claire me donne une claque amicale dans le dos. Laisse mon dos tranquille. C'est ça, la sœur c'est moi et la cousine c'est Mina-chan. Enchantée. C'est Mankai du groupe né fin décembre. Mais il a donc fait aussi un an d'écart avec moi, surtout suivant la logique coréenne. Jia me fait un signe de tête tout en continuant à m'analyser des yeux. Je suis normale, ok?
Dégainant soudain les caresses de Haniel, le Shih Tzu bondit sur le fauteuil de son maître. Il bat de la queue avec frénésie, appuie ses pattes contre le torse de Gia et lui lèche le visage. Le chanteur se laisse faire avec le sourire. Oui, ma belle, toi aussi tu m'as manqué depuis hier. Vous ne pouvez pas avoir d'animaux dans votre appart si tu ne la gardes pas ici. Surtout qu'on n'est pas souvent à la maison avec nos journées bien chargées. Faudrait pas qu'elle souffre de la solitude. Donc elle est en pension chez une dame qui habite près de l'agence. Je ne la ramène ici que quand on a des moments de pause comme maintenant. Et je passe la voir sur le temps de midi tous les jours quand on bosse à l'agence. Quand il a mine ici, il s'en fiche que je n'aime pas trop les animaux ou que quelqu'un ait peur des chiens. Je les ai vus à mon cousin surprise. Il a subitement parlé en français sans doute pour ne pas être compris déjà. Ah oui, c'est vrai. Qui ne se fait pas. Ce dernier arque un sourcil, mais ne fait pas de commentaires, tandis que sa chienne continue à le lécher. C'est pas super poli de la part de Colin. À la place de Gia, je devinerai immédiatement que le changement de langue est fait dans le but que je ne comprenne pas. Et si je peux pas comprendre, c'est que c'est pas quelque chose de gentil à mon propos. Voilà qui me semble pas super pour l'ambiance. Mais après tout, Colin a peut-être ses raisons. Il y a peut-être des heurts entre lui et Gia récemment où Gia était dans son tort. Je ne vais pas déjà commencer à juger alors que je connais deux que ce que je lis sur internet. J'imagine bien que je vois deux faces. J'imagine bien que ce que je vois deux face aux caméras ne dit pas tous les coups. J'imagine bien que ce que je vois de face aux caméras ne dit pas tout des coulisses en plus. Vous êtes pour longtemps à Séoul ? Toute l'année. Vous ne travaillez pas, n'est-ce pas ? On vient faire une année d'études ici, en fait. Donc on aura l'occasion d'apprendre à se connaître au fil des mois. J'espère que l'université nous laissera le temps de passer souvent voir Colin. Claire passe un bras autour des épaules de son frère qui termine son verre de thé. Et je les ai invités à notre concert dans 3 jours. Enfin, dans 3 mois. Ce sera fun. Plus on est fou, plus on rit, comme on dit. Manager Ban a dit oui, je suppose. Je lui ai pas encore demandé, mais il n'y a pas raison qu'il dise non. J'ai un petit rire amusé. Oh, ça, je l'imagine bien, en effet. C'est comme si un nouvel éclair de tension passait dans la pièce, puis il s'évanouissait. Son chien toujours sur les genoux, Jia se sert ensuite un verre d'eau grâce à la bouteille répartie un peu plus tôt de la cuisine. Vous êtes célibataire? Je me transforme aussitôt en plus vain. Je souris à la question. Je sais qu'il ne faut rien avoir de sous-entendu car ce sont des questions qui sont souvent posées lors des rencontres ici. C'est plus de la curiosité et de l'envie d'apprendre à connaître l'autre que dans l'intérêt sentimental. Toutefois, entendre un membre de Sorcerer me poser cette question a un petit côté surréaliste. Claire, quant à elle, répond avec le sang-froid de l'habitude. Oui, tant pour Minachan que pour moi. Est-ce un problème? Dans le lointain, j'entends soudain la porte d'entrée s'ouvrir puis se refermer avec discrétion. Il est là, enfin! J'ai recommencé une partie juste pour toi et c'est seulement maintenant que tu viens. C'est pas gentil. Annette, qui lui aussi a tendu l'oreille, bondit sur ses pieds. Jin Song! Dini, le monde de Sorcerer. Le dernier membre de Sorcerer, le danseur principal, je ne savais toujours pas parler. Ça ne changera jamais, et je suis désolée. Haniel rejoint son ami à l'entrée du salon et l'enlace avec son habituel sourire pour lui souhaiter la bienvenue. La peau de Ginny est plus hâlée que celle de ses amis. Il est originaire de Jeju, une île au sud dans le détroit de la Corée. Ce hâle fait ressortir le doré de ses yeux. Du moins, celui qui n'est pas caché par sa frange, qui masque même un verre de ses lunettes. Alors, médecin, hein. Je trouve le contraste aux yeux hâles très beau. Mais de toute façon, je l'ai déjà. Et puis, il a l'air sympa, ce qui ne gâche rien. En posant pour la première fois le regard sur Claire et moi assis sur le canapé, Ginny a toutefois un mouvement de recul. Ses yeux et sa bouche s'agrandissent et j'ai l'impression que ce n'est pas de surprise. Est-ce que...
Ce sont la sœur. Est-ce que ce sont la sœur et la cousine de Colin qui viennent d'arriver de France? Tu n'as pas dû regarder tes messages. J'ai à parler d'une voix rapide catégorique. Aussitôt, Dini pose une main sur sa poitrine. Oh, désolé. C'est vrai que je n'ai pas consulté mon téléphone depuis que je suis partie au studio de tout à l'heure. Le danseur nous sourit à la suite avec une gentillesse. Bonjour à toutes les deux. Bienvenue chez nous et désolé également de ne pas avoir été présent à votre arrivée. Oh, il n'y a pas de problème. Pas de raison que vous vous mettiez en diapason de notre programme. Si, c'était juste. Alors que nous faisons interruption dans la vôtre. Qui soi-disant passant est bien plus chargé. Nous, on a encore une semaine d'acclimation et de repos. Nous, on a encore une semaine d'acclimatation et de repos avant de recommencer les cours. Je souris à mon tour aux danseurs. Coucou. Il y a les deux meilleurs sur une image. J'adore, c'est parfait. Merci pour ton accueil, en tout cas. Je vais abstraction de la réaction qui a précédé. Même si je me demande bien pour qui Ginny nous a prise pour des fans, mais qu'est-ce qu'on aurait fait dans leur appartement? Aniel lâche Ginny. Je te laisse tranquille. Le premier part vaquer à ses occupations, tandis que le second fait quelques pas vers nous. Comme une chaîne, Ginny paraît simple, presque ordinaire. Plus banal encore, même sans couleur flamboyante de cheveux. Dépouillés du filtre des écrans et de la lumière des spots, ils ont l'air de jeunes gens normaux. Ah non, c'est normal. Je sais bien que sous le maquillage et les paillettes, les stars sont des humains comme les autres. Enfin, quand je dis qu'ils ont l'air de jeunes gens normaux. Ah là, je crois que c'est ça, par Gia. C'est ça, je l'ai vu cette fois. On va compléter ce que j'ai pas, hein. C'est ce que je viens de faire parce que bah, c'est tout ce qui manquait. J'ai une prestance, une aura hors du commun, même dans ce salon qui paraît plus étroit dans sa présence. Je ne sais pas parler, mais on a l'habitude. Il a aussi un style qui est tout sauf banal, entre classe et rebelle. En tout cas, Ginny est plutôt passe-partout tandis qu'il avance près de nous. Pourtant, alors qu'il danse, il éclabousse la scène de magie et subjugue le public. J'ai hâte de voir ça de mes propres yeux au concert. Je ne vais pas profiter beaucoup de votre compagnie car je vais aller prendre une douche. J'en ai déjà pris une rapide au studio, mais je sens un peu d'eau supplémentaire. Je sens qu'un peu d'eau supplémentaire ne me fera pas de mal. Tu as pu tester les propositions du chorégraphe pour le show. Je sais pas parler. Tranquille. Ginny lui répond avec un sourire triste. Oui, et tout fonctionne. Ça nous donnera très bien. Tant mieux. Ginny hoche la tête, puis comme il l'a annoncé, nous salue et s'éclipse en direction du couloir. J'imagine que c'est par là que se trouve sa chambre et la salle de bain. Colin reporte son attention sur nous pour nous donner quelques explications complémentaires. Ouh. L'agence a proposé que Ginny incorpore une danse aérienne à notre prochaine série de concerts, vu qu'il pratique ça assidûment dans son temps libre. À mon avis, ça plaira beaucoup aux fans. Qu'est-ce que tu entends par danse aérienne? Avec une barre? Non, avec des rubans. Suspendu à des bandes de tissu. Vous verrez si vous venez mercredi. C'est super impressionnant et super beau aussi. Bon, je l'ai déjà vu que je l'avais mis en miniature, mais bon. Je pouvais pas m'en empêcher du coup, parce que... Fallait bien que je lui mette Ginny. C'est super... j'ai lu. L'admiration est audible dans sa voix. Ce sera un nouveau modèle de concert. On ne l'a pas encore fait avec ces arrangements-là. On le teste ici à Séoul pour une seule performance afin de peaufiner ce qui reste à peaufiner avant la tournée. Ah, vous avez bientôt une tournée? Me dis pas que tu vas quitter Séoul juste quand j'y arrive. Colin passe une main dans ses cheveux et rit. On te présentera Manager Ban mercredi soir et tu pourras te plaindre à lui. On fait une tournée d'un mois en Corée et au Japon en octobre. Faut bien promouvoir notre dernier mini-album. J'ai hâte de mon côté. J'aime bien voyager, rencontrer le public un peu partout.
leur montrer ce qu'on sait faire et les nouvelles choses qu'on a en stock. La seule chose qui m'ennuie, c'est que je vois encore moins Bayol, fatalement. Et je ne sais pas parler, tranquille. Il faut que j'arrête de dire ça. Se disant, il caresse la chienne sous le menton avec une tendresse visible. Mais une fois que First June termine un tour au Japon qui a cartonné, et on ne peut pas les laisser prendre de l'avance. Il était déjà chiant. Cordialement. Même si, comme la mère de Yim-chan est japonaise, ça aide du côté de ce public-là. Cette rivalité proverbale entre les deux groupes. Bah, je suis sûre que vous allez tout déchirer. Elle enfonce un poing dans l'épaule de son frère qui fait une grimace. Si tu me fais des bleus partout, je t'enverrai la facture du maquilleur. Enfin, plutôt ça, papa et maman, je ne gagne pas encore ma vie et ils me couvriront. Tu allais les voir, au fait? Pas encore, j'ai commencé par toi. Pendant que les groupes discutent, je me tourne vers Gia. Ouais. J'essaie de vaincre ma timidité à son égard, je sais totalement parler. Si tu veux, pendant son absence, pour cause de tournée. Je peux persuader Claire de promener ton chien. Je veux bien promener ton chien. J'aime beaucoup les chiens moi-même. Et puis ça me dérange pas de rendre service. On pourra t'envoyer des nouvelles et des photos comme ça. Enfin, si tu veux bien me faire confiance avec ton numéro de téléphone. Si pas, je comprendrai. Après tout, on se connaît ni Lève ni Nathan. Mais Claire est la sœur de Colin, alors peut-être. Gia me regarde d'un air surpris. Me demande si ma proposition était déplacée. Mais j'avoue que c'était téméraire car je suis pas super à l'aise avec Gia qui m'impressionne. Bon, évidemment, tu as dit que tu avais déjà quelqu'un pour prendre soin de la bête. Gia passe une main de ses mèches soigneusement décoiffées. Je remarque sur son avant-bras. Je remarque sur son avant-bras nu la longue cicatrice qu'il dit en interview s'être faite au service militaire. Je ne crois pas avoir jamais lu dans quelles circonstances et je ne vais sûrement pas lui demander ça alors. Non, c'est sympa comme offre. Madame Namgoon, qui a Bayol en pension, est déjà âgée. Elle n'a pas le temps de la sortir au parc quand il fait beau le week-end. Et puis elle n'y comprend rien à la technologie, alors je dois me passer de vidéos et de photos. Tu as l'air de vraiment tenir à elle. Le regard de Gia qui se repose sur son chien et adoucit. Oui, je l'adore vraiment. J'adore les animaux de manière générale. Je n'ai pas pu attendre pour adopter un chien. Je sais que c'est plutôt rare quand on est jeune et célibataire, et puis mon rythme de vie est ce qu'il est. Mais je voulais vraiment le faire, et j'espère qu'elle est heureuse avec ce que je lui offre, même comme ça. Sa voix un peu coupante, c'est elle aussi arrondie d'une manière que j'ai rarement entendue en interview. Donc, raison de plus, si tu veux accepter mon offre? Oui, avec plaisir. Je te donnerai mon numéro de portable avant de partir et celui de Madame Namgoon. Tu peux aller faire quelques vidéos et me les envoyer et peut-être la promener un peu au parc le week-end. Pas de soucis. Gia me sourit. Cool, merci. Claire qui écoutait notre conversation d'une oreille décide tout à coup de mettre son grain de sel. Vu que tu sembles aimer les bêtes, si Minachon adopte un jour un hamster, on te fera signe. Elle se met debout comme à regret. Même si ses regrets sont teintés d'énergie, il faut la connaître pour voir qu'elle n'a pas envie de se lever. Elle brandit son téléphone devant elle. Mes parents m'ont envoyé 15 messages pour me demander qu'on passe chez eux en atterrissant. Il faudrait quand même aller les voir malgré ce petit crochet. Ah oui. J'espère que les parents croient que nous ne passerons pas à Savon. C'est vrai que nous leur devons plus de déférence que ces heures de retard alors qu'ils nous attendent. Je repose mon verre sur la table et me lève à mon tour. Maintenant que tu t'es bien rafraîchi, Minachon, tu auras davantage d'attaques pour réaffronter la fournaise. Et surtout, on a Colin qui s'est levé et Gia toujours assis avec son chien sur le divan. Anel semble s'être évaporée pendant que je discutais avec Gia. Minachon découvre l'été à Séoul et c'est peu de dire qu'elle peine. Tiens, Minachon,
Interloqué, je vois le chanteur se baisser pour ramasser son mini ventilateur à terre et me le tendre. Je te le donne, si ça t'aide. Je le prends avec gratitude. C'est super sympa de sa part. Après tout, il n'était pas obligé. Un membre de Starsar qui vient de me faire un cadeau. C'est fou. Ma première journée en Corée a déjà pris un tour extraordinaire. C'est déjà fini. Ou ça fait bizarre de pas filmer autant de temps. C'est pas du tout un reproche. Ni genre en mode je suis triste parce que j'en avais marre de filmer longtemps. Et surtout pour reprendre, c'est mieux. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 4. J'ai pas beaucoup parlé. Enfin, je veux dire, d'habitude, je dis beaucoup plus de choses en rapport avec l'épisode. Mais je viens de reprendre et il faut le temps que je me remette dans le bain. Et j'avais pas grand chose à dire. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye!